C'est là au genou quand même. Les Nîmois qui vont choisir l'aile, c'est bien joué. Et c'est le premier but, Julien Ribichon. Iglesias, on va dire qui a eu ce carton. Eh ouais, tout en finesse pour Mohamed Sanad. J'étais sur le CV de Mohamed Sanad, hein, c'est que d'excellentes saisons. Oh là là, 2 minutes, ouais. Va ressortir, on regarde l'action à nouveau. Et la réponse de Limoges. Avec ce but. Oh, y a rien. Ouais. Elle est restée sur la ligne. Non, je vous assure que ouais. Alors pour le coup, elle est vraiment pas rentrée. Et celle-là, elle rentre avec un petit effet. Oh, il s'est fait prendre là le gardien. Et ce sera David Iglesias, comme tout à l'heure. Et non, je vous dis une bêtise. C'est son premier but ce soir, David Iglesias. Et la réponse nîmoise qui est quasi automatique. En tout cas, c'est vraiment bien fait. Là, c'est ce match. Et oui, cette fois-ci, ce sera dedans. Et comme tout à l'heure, eh ben, c'est Julien Ribichon qui vient marquer son deuxième but. Ouais, il va passer dans un trou de souris, c'est magnifique. Oh, alors celle-là, elle est belle. Le but de Julien Ribichon. Oh là 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 là. Autre but, du coup. Un passage de bras, la passe pour Luc Toby. C'est dedans. Et quel bonheur. Mais c'est ça qu'on aime dans le handball. J'aime beaucoup, alors ça, franchement... Et derrière, le ballon qui va être rapidement récupéré. Nouvel assaut des Nîmois. Peut-être pour le 11, oui! Absolument! Ah oui, déjà. Allez, les Limougeaux. Ouais, ça s'est bien joué. Il y a une porte qui s'ouvrait, mais rapidement refermée par cette défense. Ah, que c'est bien fait. Ouais, le peuple vert de l'USABLE hein, qui commence à faire beaucoup de bruit, qui pousse son équipe. Plus 4 hein, pour les Nîmois. Le Yago. Ça tombe plutôt bien. Il y a une porte qui s'ouvre et il y a le but derrière. C'est bien joué. Et c'est marqué. Oui. Cette action signée Benjamin Gallego. Oh, il est allé se confronter. Et bien alors là, ouais, Jean-Jacques Aguilot qui va devoir sortir parce que là, concrètement, il était face à lui, il était en faute. Et Jean-Jacques Aguilot qui...
Allez, ça fait nouveau but. Ah, ça c'est bien joué. On défend très haut et c'est peut-être une des buteurs. Ah oui, alors là vous voyez c'était ce qu'on était en train d'expliquer, mais voilà, c'est le danger. On met une défense très très haute et puis voilà, on laisse un joueur totalement libre. Mais alors, se joue ce soir. L'arrêt et c'est bien joué. Et c'est bien joué aussi là pour Hichem Daoud. Et cette fois-ci, eh bien c'est cadré, c'est puissant, mais c'est dedans pour Ahmed Hicham. Quel but! Ouais, avec Limoges qui enchaîne là et qui n'arrive plus à trouver de solution comme c'était le cas en première mi-temps. Et ouais, et là ça réclame aussi une petite faute et ça veut dire discuter avec l'arbitre, hein, Quentin Dupuy là par exemple. Et le jet de 7 mètres. Et José Bastic. Et c'est dedans pour Saïf Eldera. L'équipe de Limoges qui arrive un petit peu vraiment moins à s'exprimer, hein, par rapport à la première mi-temps où ça restait. Oh là là, et quand je dis ça, bah évidemment, le but. Et comme tout à l'heure, c'est Saïf Eldera. C'est jet de 7 mètres. Et vous n'avez peut-être pas remarqué, mais le son va revenir dans une petite seconde, ne vous inquiétez pas. Et ce but, c'est bien joué. Et signé Saïf Eldera, comme tout à l'heure. Sixième but là de la partie. Oh, la récupération de balle. Et alors ça, ils vont le payer très fort, évidemment. Oh là 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 là, Mohamed Sanad. Et là... Et ça file directement là pour l'USAM. Oh oui! Oh, c'est mérité pour Yuri Dolenech. C'est bel et bien mérité.